Salut à tous les Pikatim! Bienvenue sur ma chaîne Redia Pika, pour ceux qui ne savent pas encore. Merci à tous les nouveaux abonnés, enfin de vous être abonnés, de nous avoir rejoints, nous, notre famille, la famille des Pikatim. Merci aux ceux qui sont depuis le début et qui me supportent d'être là, hein, d'être toujours présent et d'écrire toujours des commentaires. Ça me remonte bien le moral, enfin surtout après que, bah, actuellement que je suis malade, tout le monde le sait. Voilà. Donc désolé, hier, enfin hier, oui c'est ça, bah hier, quand je vais sortir la vidéo, on est jeudi. Donc mercredi, j'ai pas pu sortir de vidéo. Bon, un peu cloué dans mon lit à cause de la douleur. Donc là, je vous en sors un, et sans compter qu'il y a un retard de livraison avec Mondial Relais, donc il n'y aura pas de... Ah, Destiny Occult, pardon, je suis encore... Donc, on va s'offrir ce magnifique coffret. Ouais, bon, là, il est très gros quand même. Le coffret Ectoplasma X, que je suis impatiente d'ouvrir. Et bien sûr, on va s'ouvrir ce courrier. C'est un échange avec... alors, pas une abonnée. Alors, je ne sais pas si elle s'est abonnée à ma chaîne, hein, parce que c'était une de Vinted. Voilà. Que je la remercie grandement. Bon, on va lui dire son prénom, hein. Elle s'appelle Delphine. Voilà, je ne dirai pas son nom de famille. Mille merci à elle. On a fait un échange. Je lui ai échangé Branette, Shiny. Contre, ben vous verrez laquelle carte. Donc, on va se faire l'ouverture dessus à tout de suite. Comme ça, moi, vous voyez directement. Oui, j'avais pré-ouvert parce que d'habitude, je mets une éternité. Alors, avec mon bras, si je pré-ouvre pas, ben, on va mettre 1 heure et demie à l'ouvrir. Donc hop, c'est bien emballé, bien protégé, parce que c'est vrai que quand j'ai reçu ça, je me suis dit, oh non, dans une lettre normale. Je vais pas le retourner parce qu'il y a son adresse. Moi, la mienne, ça me dérange pas, mais elle, ça va me déranger. Parce que ce n'est pas autorisé. Et alors, attendez. Ah, voilà. Pardon, mon bras est toujours bloqué. Hein. Vous voyez déjà, il est magnifique. Hein. Elle me l'a protégé quand même dans le nouveau protège-carte Eclipse Cosmique. Magnifique, non? Et voilà, c'est Sarmourail que j'ai. Il est magnifique. C'est celui qui me manquait dans ma collection. Enfin, il m'en manque encore pas mal. Hein, donc, je vais continuer les échanges. J'espère pouvoir continuer les échanges. J'ai mon petit papy Napoléon qui, lui, va m'offrir 2 Pokébox. Je le kiffe trop. Oui, c'est un de mes abonnés. Mais on est amis maintenant. Très amis. Allez, on va s'ouvrir celui-ci. Hop. Oui, j'avais aussi pré-ouvert le carton parce que je vais vous dire, avec mon bras, je vais mettre 1 heure et demie pour tout ouvrir. Alors, je sais pas. Oui, bon, vous voyez déjà, je vais mettre 1 heure et demie pour ouvrir juste un bout de plastique. Aïe, ça fait mal. Bon, alors, je vais essayer de vous sortir ça sans l'abîmer parce qu'à chaque fois, il s'abîme. Ça, c'est les anciens. Ouh! Ben, on dirait bien qu'il est. Ouais, il est quand même un peu abîmé, hein, on va dire en haut, là, vous voyez. On voit une petite bosse, là, vous voyez. Ouais, bof. Mais bon, il est magnifique. Voici la carte promo. Enfin, c'est même pas vraiment une promo parce qu'elle fait partie de la collection, quand même, hein. C'est à 34 sur 119. Une ultra rare. Très jolie, très jolie, très jolie, mais très abîmée. Très... Oh non, mais vous voyez, c'est tout bossu. Attendez. Voilà. Tout bossu. Allez, bah, je vais quand même le protéger. Hein. Ah, on va pas l'abîmer plus que ça. Je sais même pas combien ce qu'il vaudrait à le PCA là. Hein. Allez, on y va. Donc, on aura. Vous voyez, on va prendre celle-là. Oui. Ah, même lui, il est abîmé, vous voyez. Regardez. Ouais, malheureusement. Voilà. Ouh là là, mais c'est tellement grand. Après, c'est la version plus gros, jumbo de la même en petite. C'est bien pour ceux qui sont aveugles, ils peuvent lire. On devrait faire ça pour les vieux. Une immense carte comme ça. Ah, il est où? Il m'en manque. Ah, il est tombé. Allez, on y va avec évolution comme ça. Et on va tenir la carte pour vous. Je vais tomber en arrière. Reviens là. Et offensive vapeur. Allez hop. Alors, donc on va faire les offensives vapeur en premier et les évolutions après. Ok? Alors, vous voulez voir les illustrations. Elles sont magnifiques.
Tortank, j'adore. Deux Tortank, oui. Oui, pas trop le choix sur ce coup-là. Hop. On va le mettre sur le côté parce que on va y poser les cartes là, donc on va y enlever. Comme toujours. Hop. Ah, j'arrive plus. Hop, poubelle. Putain, j'en peux plus. 1, 2, 3. Non, oui, c'est ça. Ah non, c'est des XY. 1, 2, 3, bah c'est tout. Oui, c'est des XY. C'est comme ça. Donc là, on est en reverse. Hop. Ok, d'accord. Oula, vous voyez, déjà, je suis perdue. J'allais faire 1, 2, 3 et j'allais jeter 1. Alors, lien spirituel, garde de voir. Magnifique. Gros drive. Très joli. Et une diama. J'espère que cette petite sortie vous plaît, même si c'est pas un destin occulte. Je suis vraiment désolée. Hein. Pire au Nil, ni un éclipse cosmique, mais ben là j'attends ma paye. Hein. Cap humain. Eh oui. Yanma. Ah, je ne suis pas riche, hein. Je ne peux pas me permettre d'acheter là. Férosinge. Et Démenta. Là j'attends. J'aimerais trop en faire des ouvertures là actuellement des éclipses cosmiques, mais malheureusement, je n'ai pas. Est-ce que je peux le garder? Bon, c'est assez bon. Je vais pouvoir le garder. Hop. Je n'ai pas de... beaucoup d'argent. Et Destiny Cube m'a quand même pris pas mal, sans compter que j'ai fait un crédit là-dessus pour vous faire de belles ouvertures. Donc maintenant, il faut les payer, les crédits. Ah, pardon. J'allais me tromper. Ah. Allez, on y va avec un dé à vide. Persian. Magnifique carte. Oh là, regardez-moi ça. Très joli. Ah bah là, je ne sais pas si vous avez entendu mon chat. Galopa. Grenipio. Tarinor. Très jolie carte aussi. On dirait qu'il fait dodo. Et Lionceau. Qu'est-ce qu'il est mignon. Tout chou. Tout chou, tout chou, tout chou qui est en train de marcher. Soloshi. Ah. Granivol. Je vous reprends tout de suite. Je vais faire de la place. Ça y est, reprise. J'ai fait un peu de place. Bon. Hop, ça, ça va là. Allez, on est avec évolution de Tortank. Bon, il est bien. Je vais le garder. De toute manière, c'est pas l'arrière qui est intéressant, c'est le devant. Allez, 1, 2, 3, toujours, bien sûr, parce que c'est évolution de XY. Ouf. Allez, on y va avec. Eh ben, détermination d'Ondine. Oh, ça me perturbe, c'est noix de coco, mais je ne savais pas que ça pouvait être écrit en japonais directement. Bon, ben voilà, très jolie noix de coco, écrit en japonais et en français. Très, très jolie, je kiffe là. Ah, si toutes les cartes étaient comme ça, ça serait bien. Entretien. Magikarp. Eh ben, une énergie sombre. Je sais plus si je l'ai ou pas celui-là. Goopix. Nidoran, très joli. Et Ponyta, j'adore. Hop, j'allais le mettre là, mais il faut faire la place pour celui-là, le dernier. Oups, ouais, ça va. Oh, ça va, on peut le garder aussi. Allez. Ah, purée, pardon, j'ai tout déchiré. J'ai tout fait tomber, oui. Déchirant. 1, 2, 3. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ça me ferait plaisir de vous compter parmi notre famille, les Pika Team. Lien spirituel Florizard. Et dites-moi en commentaire si ça vous plaît, hein, ce petit pseudo. Reptin, ça, ce pseudo. Le nom du groupe. Super potion. Pika Team. Ponyta encore. Ouh, Pikachu que j'ai déjà. Petit art. Dites-le moi en commentaire. Chenipan, ça me plairait. Topiqueur. Ouh, un magnifique jeu vient de tilter que j'ai oublié. Bah, Léviator, hop, ça on va le poser là. Léviator. Bah ça va, c'est un rare reverse Léviator magnifique. Je crois que je l'ai en normal et non en reverse. Donc je suis très contente. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Allez, on y va. Ouf, on y va avec reverse. Ouh, joli. Passe rouge en reverse, très très joli. Qui est un peu commune.
Pardon, en commune, pourquoi peu commune? Ben voyez. Non, vous ne rêvez pas. J'ai bien deux fois passe rouge en reverse. Voilà. Ah, reviens là, toi. Eh ben, petit art qu'on a eu là il n'y a pas si longtemps en normal, ben là, on l'aura en reverse. Très bien. Allez, hop, on y va. Ouh, magnifique. Eve, Ivelta, pardon. Iveltal en holo. Vous voyez, hop, ça brille. Oh là là, vous voyez, ma main commence un peu à trembler, puisque là, je souffre. Très joli, très joli, très joli, très joli. On va le mettre quand même sous pochette. Ah oui, on est en rare holo, donc. Attendez. Allez, on y va avec celui-là, qui sera une simple dimorée en rare. Ok. Hop, on y va avec celui-là qui serait ben, Dardanian, hein, rare, que j'ai déjà plein de fois, donc rare, pour m'expliquer. Oh, oh là là! Oh, j'adore! Un magnifique Mew en reverse. Rare reverse. Reverse, pardon. Rare holo. Oh, il est trop chaud! Ah, oh, je kiffe! Regardez-moi comme il est mignon! J'adore Mew. Oh là là! Alors, si on me dit de choisir entre Mew et Mewtwo, je préfère largement Mew, hein, je vous le dis. Hein. Parce qu'il est trop mignon. Trop chou! Voilà. Oh là là. Attendez. Oh, bah, au moins, j'ai eu deux belles cartes. Hein. Deux jolies holos. Plus dans une sac de collection. C'est très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce me fait plaisir. Voilà, ça me fait montrer comme quoi vous aimez mes vidéos. Pour ceux, bah, je vais répéter, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Oh là là, comme il est abîmé, regardez, il se décolle. Hop. On dirait un faux. J'en peux plus. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Un petit commentaire me fait toujours plaisir. J'adore lire vos commentaires et j'adore y répondre. Vous pouvez, vous voyez bien, je réponds toujours. Ah, voilà. Donc on se dit, ben. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.